Bonsoir, bienvenue à cette séance virtuelle de questions et de réponses qui se tient dans le cadre de la consultation publique sur les projets d'école et d'équipement collectif dans Griffintown. La séance se déroulera en français. Toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. This meeting will be conducted in French, but if you wish to ask a question or address the commission in English, you are welcome to do so. Je vous remercie au nom de l'Office de consultation publique de Montréal de votre présence et de l'intérêt que vous portez à nos travaux, malgré les défis posés par la pandémie. Sachez que toutes nos activités se tiennent en conformité avec les règles gouvernementales et les normes sanitaires qui s'appliquent. Avant d'expliquer le déroulement de la soirée et de rappeler le mandat de la Commission, permettez-moi de me présenter ainsi que les personnes qui m'accompagnent. Je m'appelle Nicole Brodeur et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. Je suis secondée par deux autres commissaires, mes collègues Mme Martine Moussao et ainsi que par M. Pierre-Constantin-Charles. Nous sommes appuyés dans nos travaux par M. Marc-André Lapointe, qui agit à titre d'analyste de la commission. Pour répondre aux questions du public et de la Commission, nous avons avec nous des représentants de l'arrondissement du Sud-Ouest, du Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, du Centre de services scolaires de Montréal et de l'organisme Bâtir son quartier. Je leur donnerai la parole dans quelques minutes pour qu'ils se présentent à leur tour. Un rappel sur le rôle de l'Office de consultation publique de Montréal, qui est une organisation neutre et indépendante. Les consultations n'ont pas pour objet de faire la promotion d'un projet ou d'une vision en particulier. Les commissaires sont indépendants, ils ne sont ni des élus ni des fonctionnaires de la Ville de Montréal. De plus, tous les membres de la commission sont liés par un code de déontologie dont vous pouvez prendre connaissance sur le site Internet de l'Office. Quelques mots maintenant sur l'objet de la consultation. Le 26 mai dernier, le Conseil municipal a mandaté l'Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue d'une consultation publique sur des modifications réglementaires afin de réaliser deux projets dans l'arrondissement du Sud-Ouest, plus précisément dans le secteur Griffintown. Le premier projet est la construction d'une école de niveau préscolaire et primaire en combinaison avec un immeuble de logement social. Le Centre de services scolaires de Montréal, anciennement la Commission scolaire de Montréal, en a confié la réalisation à l'organisme d'économie sociale Bâtir son quartier. Le second projet est le pavillon dans le parc du bassin à bois. Il est piloté par le Service d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. Pour permettre la construction de ces deux projets et pour encadrer leur réalisation, l'arrondissement du Sud-Ouest propose des modifications réglementaires à deux documents. Premièrement, au règlement 09-004, qui régit une partie de Griffintown désignée comme les bassins du Nouveau-Havre. C'est là que serait implanté le projet mixte d'école et de logement social, de même que le pavillon. Deuxièmement, des modifications au programme particulier d'urbanisme, le PPU de Griffintown, un document qui permet de planifier le développement de l'ensemble du secteur. Une consultation menée par l'Office de consultation publique de Montréal se déroule en plusieurs temps. Nous vous avons présenté le 19 octobre dernier les vidéos d'information préparées par la Ville et par les promoteurs des projets. Vous trouverez la vidéo de cette séance d'information ainsi que la documentation concernant les projets sur la page web de la consultation. À ce jour, cette vidéo a donné lieu à plus de 700 visionnements. Lors de cette séance, nous avions invité les citoyens et les citoyennes à envoyer leurs questions sur le projet mixte et le projet de pavillon dans le parc du bassin à bois. Nous avons reçu plus de 70 questions. Pour ce soir, nous avons retenu 16 questions d'ordre général abordées par le plus grand nombre de personnes et les avons regroupées par thématique. Les représentants de la Ville et des promoteurs y répondront dans quelques minutes. Soyez assurés que la Commission a lu attentivement toutes les questions que vous nous avez fait parvenir. Quant aux questions d'intérêt plus spécifiques que vous nous avez envoyées, nous les transmettrons à la Ville et aux promoteurs qui y répondront par écrit.
Leurs réponses sont incluses, pardonnez-moi, au dossier de documentation sur la page de la consultation sous la rubrique « Travaux de la Commission ». Nous commencerons donc la séance de ce soir avec les questions d'ordre général reçues d'avance. Une fois ces questions épuisées, il vous sera possible de poser des questions additionnelles en direct par téléphone. Je vous donnerai le numéro à appeler le moment venu. Je vous rappelle que tout au long de la séance, la Commission pourra demander des précisions et des clarifications à la Ville et aux promoteurs quant aux réponses données aux questions des citoyens. Nous nous réservons également le droit de poser des questions à la fin de la soirée, une fois les questions des participants épuisées. Si les représentants de la Ville et des promoteurs ne sont pas en mesure de donner une réponse à une question posée ce soir, ils devront la fournir par écrit dans les meilleurs délais. Toutes ces réponses seront rendues publiques sur la page de la consultation. La période pour donner son opinion débutera dès demain et se poursuivra jusqu'au 14 décembre. Plusieurs méthodes s'offrent à vous pour donner votre opinion. Vous pouvez donner votre opinion en ligne en répondant à des questions ouvertes sur notre site Internet. Laissez votre opinion sur une boîte vocale ou encore nous faire parvenir un document écrit. Quel que soit votre choix, vous pourrez vous inscrire jusqu'au 3 décembre afin de présenter votre opinion devant les commissaires, soit par vidéoconférence ou encore par téléphone. Pour cela, prenez rendez-vous auprès de M. Gilles Vizilant au numéro qui apparaît à l'écran. Les séances d'audition des opinions débuteront le 7 décembre. Toutes ces informations resteront disponibles sur notre site Internet, sur la page de la consultation. À la suite des séances d'audition, la Commission analysera l'ensemble de l'information qui lui a été soumise et formulera des recommandations contenues dans un rapport. La présidente de l'Office transmettra ce rapport à la mairesse et au président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Le rapport sera rendu public 2 semaines plus tard. La démarche à laquelle nous vous convions dans le cadre de cette consultation est adaptée à la situation sanitaire actuelle. Elle respecte les consignes gouvernementales en vigueur, tout en permettant des conditions d'accessibilité qui favorisent l'expression de tous les points de vue. Je vais maintenant donner la parole aux représentants de la Ville et des promoteurs afin qu'ils se présentent, de même que les personnes ressources qui les accompagnent. Ce sont ces personnes qui répondront à vos questions ainsi qu'aux questions de la Commission. Donc, je vais commencer. Louis-Henri Bourque, je suis chef de division des projets urbains pour la Direction de l'urbanisme et de la mobilité pour la Ville de Montréal. Bonsoir, mon nom est Nadia Banville, je suis conseillère en aménagement à la division des projets urbains au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. Bonjour, Jean-François Guilquer du groupe de ressources techniques Bâtir son quartier. Je suis le coordonnateur de l'équipe de développement. Bonsoir, mon nom est Yann Omer-Cassin. Je suis agent de développement au groupe de ressources techniques Bâtir son quartier. Bonsoir, mon nom est Louis-Bastien Lapierre. Je suis analyste de la planification au Centre des services scolaires de Montréal. Bonsoir, je m'appelle Claude Lorrain. Je suis coordonnatrice à la planification et au développement immobilier au Centre des services scolaires de Montréal. Alors, merci. Pour faciliter le déroulement de la soirée, les questions reçues d'avance ont été regroupées par thème et résumées. Nous allons débuter par les questions concernant le projet mixte d'école et de logement social, puis nous passerons à celles sur le projet de pavillon dans le parc du bassin à bois. Encore une fois, la Commission a bien pris connaissance de l'intégralité de vos questions. Leur libellé précis sera disponible sur le site Internet de l'Office dès demain. Il sera remis aux représentants de la Ville et des promoteurs. Passons maintenant aux questions sur le projet mixte. La première question sur le projet mix, sur le thème de l'école. D'après la documentation, le projet d'école préscolaire et primaire répondra à la moitié des besoins du secteur Griffintown.
a-t-il été envisagé de répondre à la totalité des besoins dans le cadre d'un seul projet, par exemple en rajoutant des étages à l'école ou en consacrant l'ensemble du terrain à la construction d'une école plus grande? Sinon, quel est le projet pour la moitié restante des besoins à couvrir? Enfin, le CSSDM est propriétaire d'un petit terrain au coin des rues Éléanor et Ottawa. Quelles sont ses intentions à propos de ce terrain? Monsieur Lapierre? Madame Lorrain? Il y a plusieurs questions dans la question. Je vais commencer avec la question portant... Je vais commencer sur la réponse, ma réponse sur la dernière partie de la question portant sur le terrain du CSSDM. Lorsque les besoins ont été identifiés d'une école dans le secteur de Griffintown, évidemment, on a considéré, on a examiné la possibilité d'implanter l'école en 2018 sur le terrain du CSSDM. Il y avait d'ailleurs eu avec les citoyens du quartier à ce moment-là des rencontres à ce sujet. Et il avait été rapidement conclu par l'ensemble des personnes qui ont examiné cette option que le terrain, d'une part, n'est pas suffisamment grand pour accueillir une école de 6 classes préscolaires et 18 classes de primaire. Et d'autre part, dans ces circonstances, on a évalué aussi l'emplacement, la localisation, la meilleure localisation pour implanter un projet d'école dans le secteur de Griffintown. Donc, les services du Centre de services scolaires de Montréal ont fait une évaluation de l'emplacement des résidents et en particulier des familles dans le secteur de Griffintown, et mon collègue pourra compléter. Et nous avons évalué qu'il était préférable de chercher un terrain dans une zone plus centrale du quartier, de façon à mieux desservir et à favoriser les déplacements piétons des familles et des élèves. Donc, le terrain, pour l'instant, demeure la propriété du CSSDM et il n'y a pas de vocation définie pour l'instant. Pour la première partie de la question, portait sur a-t-il été envisagé d'implanter l'ensemble ou tous les besoins. Donc, peut-être revenir, faire une petite précision. Donc, les besoins scolaires sont évalués à 6 classes préscolaires, donc 3 classes de maternelle 4 ans, 3 classes de maternelle 5 ans et 18 classes primaires, donc 3 par niveau. Lorsque nous avons fait la recherche d'un terrain, le centre de services scolaires, nous avons laissé la possibilité aux proposants de fournir un terrain pour l'ensemble des besoins ou une partie des besoins, considérant que les terrains dans Griffintown sont une denrée rare. Donc, la proposition qui a été fournie par l'organisme Bâtir son quartier est une proposition qui ne permet pas, en effet, d'implanter l'ensemble des classes prévues à l'école, reconnues par le ministère de l'Éducation. Peut-être mon collègue pourrait ajouter des éléments et peut-être aussi que l'organisme Bâtir son quartier, qui a élaboré la proposition avec le nombre de classes qui est présenté ce soir, donc 3 classes de maternelle 4 ans, 3 classes de maternelle 5 ans et 6 classes primaires. Peut-être si je peux ajouter, les éléments que vous voyez à l'écran, ça, en rose, on voit vraiment ce qui est marchable à l'intérieur de 1000 mètres. Vraiment ce qui peut être fait en traversant des parcs, en utilisant les trottoirs. Bon, alors, on est vraiment dans une situation où le point central de la carte, en vert, l'épingle, représente le projet identifié qu'on a en consultation aujourd'hui. C'est un projet 12 classes qui permet de servir 50% des besoins identifiés à terme dans le quartier. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les besoins pourraient être entièrement répondus. Dans 3-4 ans, les besoins seraient encore répondus avec cette première infrastructure. Monsieur Omer Cassin, peut-être? Jean-François Guilquer. Monsieur Guilquer. J'étais présent au début des discussions et de l'élaboration du projet. Donc, effectivement,
Quand la commission scolaire a exprimé ses souhaits et que nous avons vu, que nous avons vu cette demande, sur le site qui devait être équizoné pour faire un projet résidentiel et qui avait, ça avait été convenu là, au moment de l'élaboration du développement et du redéveloppement du site des bassins du Nouveau-Havre avec la Société immobilière du Canada et la Ville de Montréal, que ces terrains-là seraient réservés à une vocation de logement communautaire à 100 %. Avec les années, effectivement, est arrivée un jour l'idée qu'une école pouvait s'installer et la proposition les propositions qui pouvaient être faites, c'était de répondre en totalité ou en partie jusqu'à la moitié des besoins qui étaient exprimés par la commission scolaire. Et sur le site, il y a eu un consensus qui a été fait pour dire bien, on peut peut-être, les besoins en logement communautaire dans le Sud-Ouest sont importants, sont immenses. Par ailleurs, les gens disent, mais les besoins aussi en termes d'équipement scolaire sont importants. Peut-être qu'on pourrait essayer de trouver une façon de se ramasser un petit peu sur notre site pour laisser de la place à cet équipement qui est important pour une collectivité. Donc, c'est dans cet esprit, je dirais, de partage, de solidarité avec l'ensemble du voisinage, de la communauté qui habite le coin, que les organismes communautaires qui vont porter le projet de logement ont convenu que ça valait la peine d'essayer de resserrer le projet pour laisser un espace à l'école et faire une proposition qui était conforme au cadre de l'appel d'offres qui était fait par le service ou la commission scolaire à l'époque. Ad hoc, et je pense que ma question va s'adresser à M. Lapierre, est-ce qu'il y a un autre terrain qui a été identifié pour des besoins de plus long terme? Parce que vous nous avez dit que le projet d'école préscolaire et primaire qui est prévu satisferait les besoins pour certainement de court terme et peut-être aussi de moyen terme, mais à plus long terme, le Griffintown doit se développer. Est-ce qu'il y a un site qui a été identifié pour la deuxième école, primaire, second et préscolaire? Madame Lorrain, je m'excuse. Vous n'avez pas à vous excuser. C'est qu'on avait préparé plus les questions sur les besoins. C'est mon collègue qui est davantage compétent dans ce domaine. Tout ce qui est des infrastructures, donc des enjeux de terrain, c'est plus dans l'équipe dont je m'occupe. Concernant un deuxième emplacement, effectivement, des démarches sont en cours. L'appel d'intérêt mené en 2018 avait permis d'identifier deux sites à grande proximité l'un de l'autre, et les démarches se poursuivent de façon assez concrète. Très bien, merci. On va passer à la question suivante. Alors, quels sont les besoins scolaires de niveau secondaire dans le secteur? Madame, Monsieur Lapierre? Les besoins d'enfants secondaires dans le secteur, c'est assez simple pour faire les ratios de manière générale pour le territoire. C'est à peu près 60 % des besoins au niveau primaire. Mais il faut savoir que les besoins secondaires sont répondus très différemment. Au secondaire, on est vraiment dans une situation où l'enfant a du choix de plusieurs écoles dans le territoire. En ce moment, il y a toute une révision justement de l'offre de services au secondaire pour assurer des programmes complémentaires dans les écoles dites voisines. Mais normalement, on considère à peu près 45 minutes de transport commun à l'intérieur duquel on peut desservir l'élève au secondaire. Et j'ai quand même pris le temps de noter là-dessus combien il y avait de places élèves dans le secteur en question. On pourrait desservir dans les prochaines années, avec les agrandissements qu'on a déjà faits, entre autres dans Notre-Dame de Grâce, on pourrait desservir jusqu'à 600 élèves supplémentaires, que ce qui est déjà prévu actuellement, là, incluant les données pour Griffintown. Merci. Autre question? Quels seront les critères de sélection des élèves de l'école? Certains groupes d'enfants auront-ils priorité pour s'inscrire à l'école, par exemple,
les enfants habitant les logements communautaires voisins par rapport à ceux habitant les copropriétés. Du côté du centre de services scolaires? En fait, les critères de sélection exacts pour l'école ne sont pas encore définis, mais l'objectif, c'est d'avoir une école de quartier qui va permettre de desservir l'ensemble des élèves du territoire. L'objectif, c'est à l'heure actuelle, la solution qui est envisagée, comme on fait pour beaucoup de nos nouvelles écoles, c'est par proximité, d'ouvrir l'école aux gens qui peuvent se déplacer, comme on appelle ça un peu une école de marcheurs. Mais c'est le scénario qui est envisagé jusqu'à maintenant. On étudie toujours la possibilité de... On a une consultation qui va suivre, que j'avais déjà mentionné auparavant, planifiant notre école, dans laquelle on ouvre justement la question pour recueillir le plus d'opinions possible à cet effet-là. Mais il n'y a pas de critères aujourd'hui qui sont choisis pour l'école. L'objectif, c'est de servir tous les enfants du quartier. Merci beaucoup. Si vous me permettez, Madame la Présidente. Une question complémentaire pour M. Lapierre. Est-ce que vous pouvez nous préciser, comme on vous demande dans la question, s'il y aura un ordre de priorité qui va être établi? On comprend que les critères ne sont pas fixés, mais est-ce qu'il y aura un ordre de priorité? Comme ordre de priorité, normalement, il y a plusieurs situations selon les écoles primaires. Ça peut être pour les écoles de quartier, c'est sur un territoire donné. On pourrait envisager un redécoupement plus naturel du territoire de la Petite-Bourgogne, l'école qui dessert actuellement le quartier, où les élèves s'ils sont à l'intérieur du territoire, seraient desservis en premier par rapport aux élèves à l'extérieur. Et après ça, il y a plusieurs éléments de la politique d'inscription que je ne maîtrise pas, mais je pourrais donner tous les détails là-dessus. Mais les autres priorités là-dessus, c'est lié à la proximité ou c'est lié au territoire en question et les limites définies qui ne sont pas établies à l'heure actuelle. Merci. Bien, alors, je retiens que vous allez nous envoyer quelque chose là-dessus, sur les critères. Je peux vérifier dans la politique d'inscription les critères plus spécifiques. Sur la politique d'inscription. Oui. Merci beaucoup. Prochaine question. Alors, quelles installations de la future école seront accessibles aux citoyens en dehors des heures de classe? Y aurait-il moyen d'intégrer plus de locaux en hauteur dans le but d'offrir des services à la communauté? Madame Lorrain? Les pratiques générales pour l'ensemble des écoles du Centre de services scolaires de Montréal sont à l'effet que tous les espaces, les plateaux sportifs des écoles sont rendus disponibles à la communauté. Et souvent par des ententes avec la Ville de Montréal ou des arrondissements de la Ville de Montréal. On pense par exemple aussi au camp de jour l'été. Beaucoup d'écoles sont ouvertes au camp de jour l'été. Donc, c'est dans cette... On pense aux élections aussi. Là, vous êtes sûrement allé voter un jour dans une école. Donc, oui, les écoles ont une politique d'ouverture sur la communauté. C'est d'ailleurs souhaité par le ministère de l'Éducation. Les cours d'école aussi sont largement utilisés par la communauté. Il y a également un service de location d'espace qui est offert au service des ressources matérielles du Centre de services scolaires de Montréal, où les gens peuvent nous contacter et faire des réservations de salles pour des besoins particuliers. Donc, c'est un service qui est offert. Maintenant, je comprends par la question qu'il y aurait peut-être un souhait d'avoir des espaces supplémentaires. Les programmes du ministère de l'Éducation pour une école, 6 préscolaires et 18 classes, sont très précis, sont normés. Et ce sont des normes qui s'appliquent à l'ensemble des écoles du Québec, donc auxquelles on associe des dimensions de plateaux sportifs, des salles polyvalentes, des locaux de services de garde, certains locaux administratifs, évidemment des locaux de service. L'ajout de locaux à ce programme est possible et rarement mis de l'avant pour des raisons de calendrier. C'est-à-dire que d'ajouter ou faire des ententes avec des partenaires pour ajouter des locaux à un programme, donc ça veut dire qu'il y aurait deux sources de financement, le ministère de l'Éducation et d'autres sources, pourraient faire en sorte de retarder la livraison du projet d'école. Donc, c'est une
Disons que c'est une avenue qui peut être explorée, mais qui pourrait avoir certaines conséquences sur la livraison du projet. La cinquième question. Le projet d'école ne prévoit pas de stationnement et la rue des Bassins est relativement étroite. Comment la rue des Bassins pourra-t-elle accueillir les autobus scolaires et les véhicules des parents qui déposent et récupèrent les enfants à chaque jour? Est-ce que le personnel viendra uniquement en transport collectif ou actif ou utilisera le stationnement sur rue? De même, réduire les places de stationnement pour vélos à l'école pose-t-il le risque que les vélos se retrouvent dispersés dans l'espace public? Il y a plusieurs éléments à la réponse. D'abord, pour les autobus scolaires, l'objectif, c'est d'avoir une école pour le quartier. Alors, avoir une école avec une desserte locale où le nombre d'élèves qui auraient besoin d'autobus scolaire soit limité aussi. Il y a toujours des enjeux qui amènent à devoir utiliser l'autobus. L'objectif, c'est de réduire le nombre au maximum. On peut voir dans d'autres quartiers qu'on arrive à une situation pour une école de taille similaire où on a un, deux autobus scolaires, mais tout dépend des besoins spécifiques de l'élève. Côté véhicule des parents, c'est sûr que les parents ne sont pas présents régulièrement à l'école, alors c'est principalement du stationnement sur rue qui est envisagé. J'ai à souligner aussi qu'il y a des cases de vélos qui sont prévues au projet. L'objectif, c'est de pouvoir barrer les vélos en sécurité pour les élèves sur le site de l'école. C'est prévu dans l'ensemble des projets. Est-ce qu'il y aurait un complément de réponse du côté du service d'urbanisme et de mobilité durable? Oui, c'est ma collègue Annie Lambert qui va compléter virtuellement. Je vais revenir un peu pour parler avec les hébergements vont pouvoir être aménagés, cette école pour évidemment desservir les parents qui pourront aller reconduire les enfants. Au niveau des autobus, c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir avec la commission scolaire. Comme il a été dit, on essaie aussi de limiter le nombre d'autobus, donc on ne veut pas trop d'autobus en battement. C'est quelque chose qui va pouvoir être vu avec la commission scolaire au moment où tout ça va se déployer. Et peut-être en complément de réponse, évidemment, c'est un quartier qui vise la mobilité douce. Donc, les infrastructures, que ce soit en termes de lignes cyclables, élargissement des trottoirs, sont en cours de réalisation pour assurer un cheminement sécuritaire des écoliers, des parents qui voudront utiliser un transport alternatif à la voiture également. Madame Moussaon. Si je peux me permettre une demande de précision, je comprends que la réflexion a été faite pour faciliter l'école de marcheurs, si on utilise le terme. Est-ce que la réflexion a été faite également au niveau de l'accessibilité? Puisqu'on réduit le stationnement, on veut quand même s'assurer de l'accessibilité pour les personnes qui ont des limitations physiques, par exemple? Du côté de centre de service oui, scolaire? Il y a des exigences ministérielles à l'égard de l'accessibilité des écoles. Les exigences, tout dépendant des limitations de l'élève, ça peut se faire dans chacune des écoles. Si les limitations sont plus importantes, il y a quand même un certain nombre d'élèves montréalais qui ont des limitations assez importantes pour l'accès à l'école, il y a des mesures particulières qui sont prises par le centre de service scolaire. Donc, tous les enfants ont droit à être scolarisés dans notre réseau. Et on prévoit les moyens pour le faire. Ça va? On passera à la prochaine question. Comment s'assurer que l'architecture de l'école va se démarquer par sa qualité? Par exemple, est-ce que l'architecture de l'école a été inspirée du projet Lab École de l'architecture Pierre Thibault ou du guide de planification immobilière établissement scolaire primaire du gouvernement du Québec? D'autre part, est-ce que les couleurs et les matériaux de l'école devront s'harmoniser avec la coopérative d'habitation voisine? Madame oui. Lorrain, pour commencer peut-être? Oui, effectivement, l'école devra s'inspirer du guide sur les nouvelles écoles qui a été publié par le ministère de l'Éducation, qui prévoit certains matériaux, en particulier des matériaux produits au Québec, et ce sera le cas pour l'école de Griffintown. À l'heure actuelle, les architectes, le bureau d'architectes, la firme d'architectes n'a pas encore été retenue par le centre de service scolaire. Donc, nous ne sommes pas ce soir en mesure de vous présenter
plus de détails que ce qui a été présenté sur le site Internet de l'Office en matière d'architecture. Mais lorsque nous serons plus avancés dans le travail, dans la conception de l'école, il y aura également le processus prévu au règlement d'urbanisme sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale qui verra s'assurer là, de l'harmonisation entre l'architecture de l'école et celle des logements sociaux. Donc, c'est notre intention que ça s'harmonise, évidemment. Oui. En lien avec cette question et tout à l'heure, la question précédente, vous avez parlé de ce guide-là ou de la planification. Pouvez-vous nous avoir un peu plus de précision du guide planifiant notre école? Parce que tout à l'heure, on parlait de la desserte. Là, on parle de l'architecture. C'est comment les deux s'intègrent, comment les deux vont se réaliser. Est-ce qu'il y a un processus défini? Est-ce que les citoyens seront consultés? Est-ce qu'il y a des comités qui seront mis en place? C'est comment ça se matérialise pour qu'on puisse arriver à avoir un projet fini et qui pourrait avoir une caractéristique collective là, pour les de participation collective, où les gens pourraient se reconnaître dans cette nouvelle institution? Je vais commencer. Madame Lorrain? Pour la question du guide dont j'ai fait mention, nous pourrions vous le transmettre. C'est un guide qui est disponible virtuel. Là, on vous transmettra le lien pour qu'il puisse être accessible. Je me demande même si on ne l'avait pas déjà transmis à l'office, mais on va s'assurer que le guide soit transmis, puisse être consulté par ceux qui ont un intérêt. Le guide est général pour l'ensemble des écoles du Québec, donc on vise d'avoir un milieu scolaire de qualité, ventilation, éclairage naturel, les matériaux qui participent, on va dire, à une qualité de vie à l'intérieur des bâtiments, donc l'utilisation du bois notamment. Pour ce qui est de l'intégration du projet scolaire dans son milieu, la CSS, le Centre de services scolaires de Montréal, a mis de l'avant une démarche, je vais laisser mon collègue vous la détailler, qui se nomme Planifions notre école, donc qui vise, qui ne touche pas nécessairement les aspects architecturaux de l'école, mais qui vise davantage aussi le projet pédagogique. Donc, je vais laisser Bastien vous en parler. En fait, la démarche Planifions notre école est une démarche de consultation, dans le fond, pour pallier à l'absence de conseil d'établissement. Normalement, quand il y a un agrandissement d'école, comme la majorité des cas, on a le conseil d'établissement qui est formé de personnel et de famille, bien, de parents d'élèves qui sont consultés dans l'élaboration de l'agrandissement. La démarche qu'on a établie en parallèle, qui est une démarche, une initiative du CSSDM, est vraiment faite pour pallier dans les quartiers où on n'a pas de milieu établi comme d'école déjà existante. Alors, on forme une table de quartier, si je peux me permettre d'utiliser le terme, où on va demander à des partenaires communautaires, à des gens de la communauté, des familles, des voisins, à la Ville de Montréal de participer. On a utilisé la démarche maintenant à deux reprises au centre-ville de Montréal, où les questions architecturales sont abordées. Mais évidemment, on est vraiment en amont de la conception pour assurer une meilleure intégration et une meilleure compréhension du milieu dans lequel s'insère le nouveau projet d'école. Alors, les questions d'architecture sont soulevées, mais ne sont pas non plus approfondies. Mais évidemment, par la suite, le projet va suivre les méthodes habituelles d'intégration avec les règlements d'urbanisme de la ville. Pour le bénéfice des citoyens et des citoyennes qui écoutent cette séance, comment ça se passe effectivement cette démarche-là? Est-ce que vous faites des comités, vous faites des assemblées? Décrivez-nous ce processus-là. Oui, je le connais bien, ça va être facile. C'est d'abord une séance d'information ouverte au public où on va présenter les grandes lignes du projet, qu'on va dire les critères de sélection du comité. Par la suite, il va y avoir une période de mise en candidature et on va retenir un comité, c'est variable d'un quartier à l'autre, mais d'une vingtaine à une trentaine de personnes. Et au cours de 3 à 4 soirées d'ateliers, on va travailler les enjeux en ayant autour de chaque table durant ces soirées-là des parents, des voisins avec des membres du personnel d'une autre école ou des conseillers pédagogiques, des experts des matières enseignées, ainsi que les architectes qui vont se promener, qui sont normalement rendus là, sélectionnés, qui vont se promener de table en table pour recueillir les éléments pour bonifier le projet.
Évidemment, on invite toujours l'arrondissement à être présent pour justement entendre les échanges et chercher les éléments aussi d'amélioration pour la desserte dans le quartier, mieux recueillir les besoins. Alors, c'est vraiment 3 ou 4 séances, soirées sur à peu près 6 mois à 1 an, selon les termes du COVID. Là. C'est sûr que ça change les pratiques de tout le monde. Mais principalement, ça ressemble à ça, des ateliers pratiques où on va travailler avec des plans autant au niveau du quartier qu'on va travailler au niveau de l'école, un peu plus en questionnant, en challengeant les architectes. Écoutez, la commission et des citoyens aussi se sont demandé s'il y aurait des ouvertures et des fenêtres à la façade de l'école, parce que quand on voit les plans en ce moment, il n'y en a pas du tout. Peut-être que je peux mettre le plan à l'écran et laisser la parole à la commission. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Ça, c'est un croquis préliminaire. Oui, c'est ça, c'est une volumétrie de bon. L'école qui présente, je vous dirais, les enjeux de hauteur, d'emplacement de la cour, mais qui, effectivement, ne présente pas l'architecture parce que, comme je le mentionnais tantôt, le centre de service scolaire n'a pas encore retenu une firme d'architecte pour faire la conception architecturale. Donc, ça permet de voir que l'école va être ouverte sur le parc public, le parc de la ville qui est situé en face, de voir que l'emplacement de la cour d'école va être disposé de façon à protéger les résidents de la coopérative, bon, des bruits de la cour d'école, qu'il va y avoir une continuité dans les façades, mais ça ne permet pas d'avoir le traitement architectural le traitement architectural n'est pas encore développé pour le projet d'école. Et il fera partie de la consultation dans le cadre de la démarche de planification que vous avez décrite. En général, on ne se rend pas aussi loin que les traitements de façade, mais c'est certain que la fenestration, les entrées sont bonifiées. Les nouveaux projets, on peut voir ceux qui sont sortis cette année. Puis c'est certain que la place de l'éclairage naturel, que Mme Lorrain a souligné plus tôt, est très importante dans les nouveaux projets d'école. Et justement, dans le guide de planification, oui. On va pouvoir aussi. Le guide détaille les éléments qu'on va vous le déposer s'il n'a pas été déjà déposé la prochaine semaine. Alors, merci de votre réponse. On passerait à la prochaine question. Quelle place occupera la verdure dans les 2 cours de récréation? L'intégration de la cour d'école au niveau du sol avec le parc du bassin à gravier adjacent a-t-elle été envisagée? Pas encore. C'est une opportunité qui serait intéressante à discuter avec entre le centre de service scolaire et l'arrondissement, mais ce n'est pas quelque chose il n'y a pas encore de discussion à cet effet, mais c'est pas exclu. Là, je parle du lien entre le parc et l'école, parce que comme je le mentionnais dans la question précédente, la cour d'école, effectivement, donne sur une allée qui, je crois, il n'y a pas de véhicule. Là, c'est une rue entièrement piétonnisée. Donc, ça pourrait permettre, effectivement, qu'il y ait un traitement en continu. Pour ce qui est de la place de la végétation dans les cours de récréation, bien là, c'est un juste équilibre c'est un dosage savant que nos architectes du paysage doivent mettre de l'avant, parce qu'évidemment, une des objectifs des cours d'école, c'est évidemment de permettre aux enfants de faire de l'activité physique et d'être plus attentifs au retour en classe. Donc, en général, ce qui est mené maintenant, c'est des zones. Les cours d'école sont aménagés en zones, donc des zones d'activité physique plus intensives, des zones d'aménagement qui permettent des jeux, d'autres types de jeux, et aussi parfois, lorsque l'espace le permet, il peut y avoir des zones de détente dans les cours d'école ou de jardinage, parfois de jardinage en pot ou des choses comme ça, pour participer ou faire certaines activités pédagogiques dans les cours. Donc, les cours ont de multiples usages. L'activité Planifions notre école va permettre aux futurs parents de l'école de s'impliquer et de déterminer un peu les usages, et les aménagements vont être conséquents
des avenues pédagogiques qui auront été déterminées dans cet exercice-là. Ça va? Alors, la prochaine question. Quelles sont les mesures d'atténuation du bruit provenant des deux cours de récréation en vue de protéger les habitations à proximité? Ça a été un peu abordé dans une question précédente. Je ne sais pas si ce serait intéressant de remettre l'axonométrie, mais comme je le mentionnais plus tôt, et la proposition qui a été déposée par le partenaire Bâtir son quartier est évidemment est en relation avec un souci d'assurer des cours très distincts entre les cours des logements qui seraient protégés du bruit de la cour d'école par l'école elle-même. En fait, le corps principal du bâtiment sépare la cour de jeu des élèves avec celle où on recherche une plus grande quiétude, donc la cour des résidents des logements qui sont adjacents à l'école. Donc la cour est située vers l'espace public où on présume que ça génère moins de nuisances. Et le voisin qui est situé au nord de la cour d'école, si je ne m'abuse, et les gens de partir son quartier pourront renchérir, il me semble qu'il n'y a pas de fenêtre sur le mur qui est adjacent à la cour d'école. Donc, je pense que ça a été bien réfléchi dans la proposition qui a été soumise au centre de services scolaires pour assurer la meilleure transition entre la quiétude recherchée pour les logements et un peu plus d'animation qui est toujours le cas lorsqu'on parle d'école primaire. Si vous me permettez une question, oui. Vous nous éclairez ici sur la gestion du bruit lorsque l'école sera finalisée. Est-ce que vous pouvez nous parler des mesures de mitigation qui ont été envisagées pendant la construction de l'école? C'est un bon point. Les deux projets vont être construits. Ce qui est prévu, c'est que les deux projets d'habitation et d'école soient construits dans un même chantier. Donc, l'école ne fera la construction du projet d'école. Il n'y aura pas de résidents dans les logements du projet qu'on voit à l'écran avant la construction même de la cour d'école, puisque les deux projets vont être réalisés simultanément. Il y aura bien évidemment les logements qui sont déjà construits, et dans ces cas-là, c'est les règlements généraux d'arrondissement qui s'appliquent, donc les heures qui sont imposées aux entrepreneurs généraux, qui doivent respecter, donc pour éviter des travaux pour limiter au minimum les nuisances dans la mesure du possible. Du côté de Bâtir son quartier, avez-vous des interventions là-dessus? Non? Merci. Pardon, Madame la Présidente. Oui. Peut-être au niveau de l'arrondissement, puisqu'on nous indique justement que tout se fait dans le respect de la réglementation municipale. Si on pense, par exemple, au niveau de décibels pour le bruit, la gestion de la poussière, etc., est-ce que les partenaires du projet bénéficient de certains droits un petit peu plus permissifs, étant donné l'ampleur du projet, ou bien est-ce qu'il y a vraiment un suivi qui se fait au niveau de la municipalité? Pas du tout, je vais répondre pour l'arrondissement. C'est pas du tout, les règlements s'appliquent, le règlement sur le bruit va s'appliquer. Donc, ils doivent gérer diligemment leur chantier comme tout promoteur et tous les règlements s'appliquent. Parfait. Voilà, que ce soit au niveau de la propreté, du bruit, etc. Oui, merci. Alors, une dernière question sur l'école. À combien s'élèvera la facture de l'école et qui va payer? Y aura-t-il une augmentation des taxes municipales? La facture... Le financement des écoles n'a rien à voir avec les taxes municipales. Oui. Donc, il n'y aura pas un impact sur les taxes municipales. Alors, je pense que c'est une question intéressante pour les citoyens. Est-ce que, Mme Lorrain, vous pourriez répondre à cette question-là? Oui, bien sûr. Donc, les écoles au Québec sont financées par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, ce sont des infrastructures financées par le gouvernement du Québec en fonction, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, d'une reconnaissance de besoins scolaires dans un quartier et en fonction de l'établissement de normes précises, de programmes. Et les budgets pour construire les écoles sont en fonction de cette logique-là, donc de besoins identifiés
de classes, de nombre de classes à construire avec les fonctions connexes. Et ça génère une superficie d'infrastructures à construire. Et de ça, bien, ça nous donne le coût du projet lui-même. Donc, c'est le ministère de l'Éducation du Québec qui devra approuver le coût du projet et le financer lorsqu'il aura accordé son approbation. Alors, en gros, c'est au niveau provincial. Oui, que au niveau provincial. Et non pas au niveau municipal que le financement s'effectue. Alors, on passerait maintenant au bâtiment, aux questions sur le bâtiment résidentiel. Le projet mixte prévoit que l'immeuble résidentiel sera imbriqué à celui de l'école. Pourquoi préférer cette option à celle d'un mur humidoyen? Quelles mesures allez-vous prendre pour favoriser la cohabitation et garantir la sécurité de tous, en particulier celle des enfants? Est-ce que l'accès aux installations de l'école pour les résidents risque de nuire à leur utilisation par les élèves? Oui. Oui, c'est une question à plusieurs volets, mais très intéressante par ailleurs. Donc, je dirais d'abord et avant tout, bien entendu, notre intérêt était ici d'optimiser l'espace au sol disponible dans les quelques terrains qui restent disponibles dans Griffin Camp, comme Mme Lorrain l'a spécifié tout à l'heure. Donc, de permettre à la fois une optimisation du nombre d'unités de logement qu'on va réaliser, et de pouvoir répondre à un minimum adéquat pour le CCSDM en termes d'infrastructure scolaire. Donc, à cet effet-là, de créer une ligne au centre du lot et de mettre d'un côté un bâtiment et l'école de l'autre, va certainement limiter, un, le potentiel en matière de logement. Il faut savoir que on est ici pour discuter d'une modification du règlement qui permet pour le moment un usage exclusivement résidentiel. Donc, initialement, on pouvait réaliser 100-120 unités de logement. On parle aujourd'hui d'un projet de 81 logements. Notre objectif n'est pas non plus de mettre de côté les besoins des citoyens qui ont besoin de logements, surtout dans ce quartier-là. Par ailleurs, Griffintown, c'est quand même un quartier nouveau, disons-le. Et en ce sens-là, ben, on est interpellé. Puis la question qui a porté sur le traitement architectural de l'école, au fond, a une certaine résonance ici dans la question, à savoir qu'il y a une opportunité de créer un projet plus intéressant d'un point de vue architectural en relevant le défi d'intégrer les deux bâtiments. Donc ça, c'est pour l'aspect imbrication. L'aspect sécurité, c'est toujours une bonne question lorsqu'on mélange deux usages, il y a toujours ce type de préoccupation. Ici, bien entendu, on va s'efforcer pour le projet d'habitation d'éviter d'avoir des balcons saillants au-dessus des cours d'école, par exemple, d'éviter d'avoir des sorties d'issue qui donnent dans le lieu de l'école. Et le contraire est aussi vrai, bien entendu. Donc, on conserve quand même un aspect privatif des deux fonctions. Et pour répondre à la question qui porte sur l'usage de l'école par les résidents citoyens, bien, au fond, comme Mme Lorrain l'a expliqué tout à l'heure, il y a des mécanismes qui permettent d'avoir accès aux différents plateaux des établissements scolaires par les citoyens, puis je présume vient avec des consignes, puis des règles claires de sécurité, d'entretien, de remise en état après les activités. Est-ce qu'il y aurait un complément de réponse à la question du côté de l'arrondissement? Oui, s'il vous plaît, Marie-Hélène Minet-Vandal de la Division de l'urbanisme à l'arrondissement sud-ouest concernant l'imbrication des deux volumes. Il y a une modification additionnelle qui a été soumise à la consultation là, suite à l'adoption du projet de règlement concernant des normes de lotissement qui doivent être respectées. Et c'était juste pour souligner que cette imbrication-là cause des enjeux au niveau de la conformité au règlement de lotissement. Ça a été présenté, soumis à l'Office dans la présentation qu'on a soumise là, pour la soirée d'information. Puis juste vous spécifier que cet enjeu-là va être réglé avec le service des affaires juridiques de la Ville. La formulation qui avait été présentée à l'Office sera revue pour se conformer au service, aux commentaires du service des affaires juridiques lors de l'adoption du projet de règlement. C'est quoi l'enjeu? Est-ce que les textes modifiés vont nous parvenir? Je n'ai pas le texte modifié encore. C'est suite à la consultation qu'on mène avec vous.
selon les commentaires, questions reçues, les recommandations que l'Office fera. Ça se peut que le projet de règlement soit modifié en conséquence des recommandations de l'Office. Donc, le projet final sera soumis aux instances pour décision. En fonction des recommandations. Voilà, oui. Merci. J'aurais une question. Vous avez parlé d'imbrication entre les deux édifices. Comment s'assurer que l'architecture du logement social va se démarquer par sa qualité? C'est un environnement particulier, il y a beaucoup d'édifices. Et est-ce qu'il va se distinguer? Est-ce qu'il va se fondre dans l'environnement? Est-ce qu'on va être du premier qu'on va voir, c'est du logement social? Ou du moins, on va arriver, ça va être un édifice comme les autres édifices qu'on retrouve dans l'environnement? Oui, ben c'est toujours une belle opportunité de répondre et de démystifier aussi sur la qualité des projets d'habitation communautaire qu'on fait. Je vous dirais aujourd'hui, je mettrai au défi plusieurs citoyens de marcher dans Griffintown et d'identifier les projets d'habitation communautaire versus les projets d'habitation privée. C'est pas si évident que ça. Donc, je dirais aujourd'hui, on a une qualité architecturale qui est au rendez-vous. Lorsqu'on a présenté notre proposition au CCSDM, évidemment, on travaillait des volumétries avec deux firmes d'architectes. Donc, Smith Vigent était la firme qui nous a accompagnés pour élaborer la portion école et la firme Edifica, avec laquelle on travaille sur différents projets, a élaboré la portion résidentielle du projet. Notre souhait, donc ces deux firmes-là sont inspirantes d'un point de vue faisabilité et sont capables évidemment de livrer un projet qui se démarque d'un point de vue architectural, tout en respectant tout le cadre réglementaire qui existe en arrondissement. Le Conseil consultatif en urbanisme aura à se prononcer sur la matérialité, les matériaux, les revêtements extérieurs, l'animation des façades, etc. Et on verra avec les architectes qui seront retenus et par le CCSDM et avec Edifica comment on va pouvoir s'assurer que le mariage fait en sorte qu'on a un ensemble à deux usages qui se distingue dans le quartier puis qui permet les démarcations nécessaires sans jamais laisser de côté la qualité, bien entendu. J'ai une question là-dessus. Oui. Question de Mme Moussard. Oui, si vous me permettez, je reviens sur la question architecturale. Vous avez très bien expliqué où est-ce qu'on en est dans le projet, qu'il y aura bien entendu du travail qui va se faire plus tard sur les notions architecturales. Maintenant, j'essaie de comprendre dans un projet comme celui-ci, qui est très différent d'un projet qu'on va dire privé, dans lequel on approche la municipalité, on présente le volet intégration, implantation architecturale, et normalement le citoyen, via les avis publics, peut se prononcer et partager son opinion sur la question. Est-ce que vous pouvez nous éclairer dans un projet comme celui-là, comment est-ce que la question devient accessible aux citoyens, si elle le devient? Si je peux me permettre de répondre concernant l'approbation architecturale des projets, c'est en vertu du règlement sur les plans d'intégration, d'implantation et d'intégration architecturale, excusez-moi, que les projets sont évalués. Donc, il y a une série de critères que les projets doivent respecter. Au niveau de l'architecture, c'est soumis au comité consultatif d'urbanisme à l'arrondissement. Et c'est une décision du conseil d'arrondissement qui approuve l'architecture des projets. Strictement du point de vue architectural, ce ne sont pas des projets qui sont soumis à l'approbation citoyenne comme le serait un projet particulier ou comme le serait un projet de règlement comme on fait ici ce soir où là on fait une consultation publique. Donc, les citoyens ne sont pas à proprement parler invités à commenter l'architecture. C'est vraiment notre CCU qui a ce rôle-là, qui est un comité formé de citoyens. Citoyen expert qui a ce rôle-là dans l'arrondissement. Oui, excellente réponse. Est-ce qu'on peut comprendre à ce moment-là qu'un citoyen qui serait intéressé à partager son opinion sur la vision architecturale, quelle avenue serait privilégiée ou serait recommandée d'après vous? Bien, c'est sûr qu'il y a l'exercice du CSSDM, de planifiant notre école, qui pourrait servir de plateforme pour faire ça. Puis ça reste à voir, là, on peut avoir, comme c'est un projet très, très particulier, il pourrait être mis sur pied une petite consultation sur cet aspect-là pour le projet. Ce n'est pas des choses qu'on fait actuellement, mais il est possible de le faire. Ce serait ad hoc, c'est ça.
Dernière question sur le bâtiment résidentiel. Est-il prévu d'inclure au bâtiment résidentiel des commerces de proximité et des locaux à l'intention des groupes communautaires? Peut-être M. Omer Cassin. Merci, Mme la Présidente. Donc, dans le projet résidentiel, il n'est pas prévu pour le moment d'intégrer des espaces à fonction commerciale. D'abord, cette rue-là ne l'est pas non plus à prime abord. Par contre, les projets voisins qu'on a réalisés là, dernièrement, l'OBNL 21, l'OBNL 22, on a pu y intégrer deux CPE là, qui nous permettent d'avoir à peu près 160 unités pour nos petits bambins, ce qui était quand même donc un autre service de proximité, entre guillemets, nécessaire, tout comme l'école primaire, avec la quantité de ménages qui atterrissent. Donc non, le projet résidentiel ne prévoit pas d'espaces commerciaux. Pour ce qui est des espaces communautaires, donc nous, Bâtir son quartier, dans notre ADN, on siège sur les tables de concertation. On est au courant des besoins des citoyens, des lieux de rencontre et des citoyens et des organisations associatives. On a parlé tout à l'heure de la possibilité de louer ou d'utiliser des espaces à l'extérieur des heures d'école, que sont les plateaux offerts par la commission scolaire, par le CCSDM. Donc, je vois très bien, par exemple, une assemblée générale d'un organisme communautaire ou d'une coopérative d'habitation louée pour un soir un gymnase. Très pratique, plutôt que de tenter de se coincer ailleurs. Et j'ajouterais donc, s'il n'y a pas de lieu communautaire à proprement prévu dans ce projet, donc on travaille sur d'autres projets encore en élaboration, ailleurs dans Griffintown, non loin de là, où il est entre autres prévu dans un projet là, d'y intégrer une grande salle communautaire à la demande des organismes communautaires, et donc ça c'est déjà dans les plans. Donc, mais pour ce bâtiment-ci, j'aurais tendance à dire pourquoi ne pas profiter plutôt des infrastructures scolaires à l'extérieur des classes, bien entendu, des heures de classe, bien entendu. Si je peux compléter aussi, s'il vous plaît, le règlement en vigueur actuellement ne permet pas des activités commerciales dans la zone visée. Donc, ce pourquoi il y a des CPE au projet Habitation 21-22, c'est que cet usage-là était autorisé. Il n'est pas autorisé ailleurs dans le secteur des bassins du Mouvoir. Les activités commerciales sont très, très limitées dans ce secteur-là. Mm-hmm. Donc, ce ne serait pas possible d'avoir des commerces. Puis aussi, tous les aménagements de parcs que la Ville est en train de faire, dans lesquels on va construire des pavillons qui pourront accueillir des activités communautaires aussi. On souhaite toujours avoir de l'animation dans nos parcs, donc permettre de l'occupation des pavillons dans les parcs par des organismes. Puis on a aussi des bâtiments qui doivent nous être cédés là, dans le cadre d'accords de développement qui ont été signés avec des promoteurs. Donc on peut penser à l'Espadienne, au Square Galerie, qui sera cédé à l'arrondissement et qui pourra accueillir aussi des organismes. Merci, Mme Binet-Vandal. On passe maintenant aux questions sur le projet de pavillon dans le parc du bassin à bois. Alors, la première question qui a été posée. Qui va assurer la gestion du pavillon durant les 4 saisons? Quelles activités pourront s'y tenir et quel type d'équipement sera disponible au comptoir de prêt? Alors, Monsieur Bourque ou... Je vais passer la parole à Monsieur Dionne qui nous joint virtuellement. Bonjour, Marc-Antoine Dionne, chef de division sport loisirs développement social dans l'arrondissement. Donc, effectivement, la configuration du pavillon prévoit un espace pour permettre ces usages-là, notamment le prêt de matériel. Ce qui est visé initialement, c'est le prêt de patins pour l'offre de services en complément avec la patinoire réfrigérée. Pour ce qui est des autres usages ou encore en termes d'offre de services, ce sera en évaluation. Mais l'objectif de l'arrondissement est bien entendu d'offrir une offre de services variée, que ce soit en termes de loisirs, de sport ou encore de culture. Ça va. Alors, la prochaine question. Le pavillon accueillera au sous-sol les équipements nécessaires à la réfrigération de la patinoire. Comment sera évacuée la chaleur produite par la réfrigération? Oui, je peux répondre à la question. En réalité, la chaleur est produite par la réfrigération. C'est souhaité, en quelque sorte, de la conserver, puisque la réfrigération se fera seulement l'hiver.
Donc, ça pourra permettre de réchauffer le bâtiment à ce moment-là. On n'a pas prévu de cas de surchauffe, je crois, de l'espace. Donc, ça sera récupéré par l'ensemble du bâtiment. Ça va? Prochaine question. En considérant les changements climatiques à venir, combien de jours par hiver la patinoire pourra-t-elle être utilisée, même si elle est réfrigérée? Un système de glace artificielle a-t-il été considéré? Est-ce que le parc du bassin à bois, notamment l'espace de la patinoire, pourrait permettre de pratiquer le hockey en hiver, le basketball et le tennis en été, ou encore la baignade? Donc, pour répondre à la première partie de la question, combien de jours par hiver, je pourrais venir indiquer grossièrement qu'à partir de novembre, les glaces des patinoires réfrigérées extérieures sont débutées. Peut-être pas avec des périodes comme on connaît actuellement, mais peut-être plus vers la fin novembre. Et je crois que le mois de mars, c'est encore une période qui est potentiellement encore utilisée. Par contre, pour ce qui est des pratiques de sport telles que mentionnées, il n'est pas souhaité que le hockey soit pratiqué sur la patinoire telle qu'elle est conçue, puisque c'est plus une patinoire, disons, pour s'y balader et pour vraiment s'y promener, une patinoire plus familiale et avec un éclairage plus doux qui est en conséquence aussi et non pas pour le jeu en particulier. Je vois aussi d'autres activités, peut-être par rapport au basketball, tennis. On a des enjeux par rapport à la dalle de béton qui fait qu'on ne peut pas venir peinturer la dalle de béton, donc de venir mettre des traits. Il y a des enjeux par rapport à la glace qui vient adhérer à la dalle de béton. Donc, on ne peut pas venir faire des traces pour délimiter les terrains. Et puis, la baignade dans le secteur, est-ce qu'on voit plutôt par rapport à des jeux d'eau? Je sais qu'il y a des jeux d'eau à proximité, bassin à gravier, mais la baignade, je ne vois pas comment ça pourrait être possible. Peut-être pour compléter, si je regarde la question de façon plus large, les attentes pour Griffintown, on a d'autres parcs à résine en Griffintown qui s'en viennent. Et c'est toujours été l'objectif d'avoir des parcs qui sont complémentaires au niveau de la programmation. Donc, le parc du bassin à bois va être réservé pour une patinoire réfrigérée. Le choix de faire une patinoire réfrigérée, c'est d'avoir une saison de glace complète. C'est maintenant, malheureusement, les choix que doivent faire les villes. Par contre, au niveau du basketball, tennis, la baignade dans une moindre mesure, mais c'est des activités qui sont ressorties comme des activités qui sont souhaitées dans Griffintown. On va voir à travers la réalisation des prochains parcs, les eaux cachées, le parc Mark Griffin aussi, quand même, on va pouvoir accueillir des activités des activités sportives. Donc, voilà, à travers l'ensemble de la programmation des parcs, on souhaite répondre à l'ensemble des besoins de la population. Ad hoc, une question sur l'utilisation de la surface qui est glacée en hiver. Comment ça va se présenter en été, cette surface-là? Bien, il y a plusieurs... Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ou est-ce que c'est condamné? Bien, justement, les concepteurs nous ont proposé différentes animations. Ce sera à nous de voir par la suite qu'est-ce qui pourrait être programmé lors de la mise en service. Mais on a des idées comme des classes, des ateliers extérieurs, des expositions éphémères, des fêtes de quartier, des dîners extérieurs, des concerts intimes, du cinéma en plein air, du théâtre, un marché de quartier, des jeux libres. Bon, on voit ici basketball, il n'y a rien qui empêche qu'on joue au ballon sur l'espace, mais c'est vraiment différentes idées qui sont proposées et qui pourraient être reprises lors de la mise en service du parc. Exactement. Puis si vous permettez, c'est des surfaces qui sont très recherchées pour tout ce qui roule aussi. L'été. Donc ça va être possible. Puis j'invite les citoyens peut-être à aller visiter la patinoire du lac des Castors l'été. Là, c'est un équipement qui est très utilisé l'été comme l'hiver. Vu les opportunités dans une surface lisse, ça peut être propice pour toutes sortes de sports. Puis des activités aussi, comme le disait Nadia, où on peut avoir des activités ponctuelles, plus de détente et de contemplation. Parfait. On nous demande si on a pensé à une glace artificielle. Oui, peut-être juste préciser, on nous demande également si un système de glace artificielle a été considéré.
Je ne comprends pas l'idée de glace artificielle. Non, bien, c'est des glaces en plastique qui sont maintenant populaires, là, qui permettent... mais ce n'est pas quelque chose qui a été considéré. On avait un objectif de ramener les activités hivernales et la glace dans le parc. Initialement, c'était une patinoire traditionnelle qui était traditionnelle. Une patinoire pré-changement climatique qui était prévue. Et on a dû s'adapter. Donc, on n'a pas opté pour l'option vers les patinoires artificielles. On souhaitait vraiment conserver d'avoir une patinoire de patinage à glace. Donc, c'est une demande citoyenne aussi là, d'avoir une glace dans cet espace-là. Donc, la Ville a fait un choix pour assurer la pérennité de l'équipement et qu'il soit fonctionnel dans une période intéressante à l'année. Oui. Oui. Lors de la séance d'information, vous nous aviez informé qu'il y avait un drain en dessous de la patinoire, en dessous du parc, qui empêchait qu'il pouvait avoir un espace beaucoup plus grand. Est-ce qu'on pourrait envisager d'autres mesures correctives pour qu'on puisse exploiter le plus possible cet espace, soit déplacer le drain, corriger? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Non, pas du tout. D'ailleurs, bien, on parle plutôt d'une conduite d'aqueduc, puis celle-ci a été implantée en 2016, donc c'est vraiment tout récent. Ça a été calculé en ce sens. Là, les ingénieurs, s'ils ont fait passer la conduite à cet emplacement, c'est que c'était absolument nécessaire. Donc, non, c'est vraiment pas une option de déplacer cette conduite. On doit faire avec cette problématique. J'imagine que la conception du projet actuel était conçue après. Oui, c'est ça. Puis okay. Nous, ça nous limite évidemment dans nos... Dans l'étendue de nos équipements, mais on est capable de relever le défi. Presque aussi, on souhaite avoir une programmation quand même équilibrée du parc. Donc, les concepteurs ont su jouer avec cette contrainte-là pour avoir une programmation très intéressante. Donc, ça permet aussi d'équilibrer les éléments. Donc, ça a été une contrainte qu'on a présentée, mais je pense que si on ne sait pas qu'il y a une conduite, on n'aurait pas fait un meilleur parc sans la conduite. Je pense que le concepteur a su l'intégrer dans son concept puis répondre aux besoins de programmation. Alors, la prochaine question? La prochaine question est en anglais. Could the park also include facilities to keep teenagers occupied and healthy, like training bars for body weight workout? Madame Barville, Monsieur Bourque? But before to pass the question to my colleague from the borough, for sure, when we do a park, we hope we're going to reach all citizens, include children, include citizens, include elderly. So, of course, we hope that teenager will continue to skate, so to use the ice rink. And I remember, and the park also includes an open space up south to the Bassin Street, which can be used for whatever activity. So it can be a picnic, it can be used to play frisbee, it can be used to chill out. So we hope that the teenager will use this park. And maybe I'm going to pass the question to my colleague, Mr. Dion from the borough, for the programmation. Yes, thank you. The programmation indeed will be taught to as attributes all the needs for all the citizens, and the conception of the park makes it possible. There's no specific equipment towards that specific clientele, but the usage will surely be up forward for all the communities and different group ages. Merci. Alors, il est maintenant 8h20. 20h20, nous procéderons maintenant à l'ouverture de la tribune téléphonique. C'est le moment de nous appeler si vous désirez poser une question en direct par téléphone ce soir. Pour ce faire, vous devez appeler au numéro de téléphone suivant 1-833-225-5790 pour vous inscrire. Nous vous inscrirons au registre, puis nous vous rappellerons lorsque ce sera le moment de poser votre question. It is now 8:20.
I will now open the phone lines. Now it is the time to give us a call if tonight you would like to ask a question live over the phone. To do so, you must dial the following number, 1-833-225-5790. We will register you and call you back when it is your turn to ask your question. Il nous reste maintenant deux autres questions concernant le pavillon et le parc. How will you ensure that the activities, entertainment, and lighting of the park will not disturb local residents? Monsieur Bourg? So Mr. Dion of the borough will answer this question. Is it possible to repeat the question, please? How will you ensure that the activities, entertainment, and lighting of the park will not disturb local residents? Well, from what I understand, the lighting has been chosen to ensure a proper diffusion and not to have a negative impact on the neighbors, so it shouldn't be a problem. Et concernant les activités et qui peuvent se dérouler dans le parc. Maybe I can complete. Yes. For sure, we did lightning studies when we concept a park like that. So we make sure that the lightning ensures security of the park, but also doesn't affect the dwellings and the apartments just next to the park. So we make sure of that. For other disturb, for sure, the borough will manage the opening hour of the skate rink, and we'll make sure that the hours respect the quietness of the neighborhood. So basically, it's that. That's the answer. Yeah. Prochaine question et la dernière. Pouvez-vous confirmer que la partie sud sera complétée en même temps que la partie nord, c'est-à-dire à l'hiver 2022-2023? Tout à fait. C'est vraiment... Madame Barville? Oui, tout à fait. Tout sera complété dans un seul lot, autant la partie nord, partie sud et la place des Alimars, et les allées piétonnes qui sont adjacentes au parc. Exact. Peut-être spécifier que c'est un contrat qui va être donné pour l'ensemble des travaux. Évidemment, l'entrepreneur va proposer un séquencement de la réalisation des travaux, mais c'est un lot de travail. Donc, il n'y aura pas de distinction dans la réalisation. Ça se peut qu'au fur et à mesure de la réalisation, les choses avancent graduellement, mais tout va se faire d'un geste en un contrat. Parfait. Alors, nous allons maintenant prendre une pause de 10 minutes. Au retour, vous pourrez poser vos questions et pour ce faire, vous devez appeler au numéro que j'ai identifié tout à l'heure, c'est-à-dire le 1-833-225-5790. Chaque personne aura droit à deux questions. Pour en poser davantage, vous devrez rappeler au même numéro et vous inscrire au registre. Merci d'être patient. Si vous êtes nombreux à nous appeler, il se peut que l'attente dure quelques minutes. We will take a 10-minute break. When we return, you will be able to ask your questions. To do so, you must call the following number, 1-833-225-5790. Each caller will have a right to two questions. To ask additional ones, you must call back and re-register. Please be patient. If the phone lines are crowded, you might need to wait a few minutes. Au retour de la pause, la parole sera à vous. On viendra en ondes dans 10 minutes. Alors, il est 8h25, ça veut dire que à 9h-25, on va reprendre.
Pour toutes ces consultations, l'Office de consultation publique de Montréal verse sur son site web toute la documentation et tous les éléments nécessaires à une bonne participation des citoyens. Pour la consultation sur l'école et les équipements collectifs dans Griffintown, vous trouverez cette information sur la page ocpm.qc.ca/projet-griffintown. La page web de la consultation vous fournit tous les éléments nécessaires à votre participation. Un bref descriptif du projet, la diffusion en direct des séances d'information et de questions et réponses, les étapes du déroulement de la consultation, les modalités de participation à distance, quelques documents pour commencer, des images complémentaires, ainsi que la composition de la commission. En raison de la situation sanitaire actuelle, les étapes de la consultation peuvent être un peu difficiles à comprendre. C'est pourquoi nous attirons votre attention sur le dépliant produit par l'Office et mis à disposition sur la page de la consultation. Il résume dans un format simple les quelques dates et les modalités de participation et vous fournit également plus de précisions quant au projet lui-même. Tout au long du processus de consultation, l'OCPM rend public l'ensemble de la documentation utilisée par la commission. Vous pouvez y accéder directement sur le site de la consultation. Dans le cadre de cette consultation, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques documents. Il s'agit tout d'abord de la présentation du projet MIX, faite par l'organisation Bâtir son quartier, que vous retrouverez en document 3.1 de la liste de documentation. Nous vous invitons également à consulter les modifications du règlement proposées par l'arrondissement du Sud-Ouest en document 4.1. La présentation du projet de pavillon dans le parc du Bassin à Bois, faite par la Ville de Montréal. Et la présentation de la démarche « Planifions notre école » faite par la CSSDM en document 3.2.4. Pour toute question supplémentaire sur le projet ou sur la démarche de consultation, nous vous invitons à contacter l'Office au 514-872-8510. C'est maintenant le temps de donner votre opinion. Nous vous offrons trois façons simples et accessibles pour y parvenir. Vous pouvez tout d'abord donner votre opinion en ligne directement sur notre site web. Sur la page de la consultation, cliquez sur le bouton « Donner votre opinion en ligne ». Sur cette page, vous retrouverez un résumé de la consultation et de ses enjeux, ainsi que les principales thématiques abordées par la commission. Cliquez sur la thématique de votre choix. Vous pouvez lire le résumé de l'enjeu, ainsi que quelques questions destinées à guider votre réflexion. Une fois votre opinion formée, remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton « Soumettre ». Nous vous offrons également la possibilité de nous faire parvenir votre opinion par téléphone. Sur la page de la consultation, vous retrouverez le numéro de téléphone à composer pour nous faire parvenir votre opinion entre le 12 novembre et le 14 décembre. Finalement, vous pouvez présenter votre opinion à la commission directement. Sur la page de la consultation, dans la boîte « Présenter une opinion orale ou écrite », cliquez sur le bouton « Marche à suivre » et suivez la procédure pour vous inscrire.
Bienvenue à nouveau. Welcome back. On reprend maintenant avec des questions en direct. Je vous demanderai de limiter les préambules à ce qu'il est strictement indispensable pour la compréhension de vos questions. Je vous rappelle également qu'il faut se limiter à deux questions. Alors, la première personne à nous poser la question est... La première personne nous a laissé sa question sur une boîte vocale. Il s'agit de Mme Geneviève Perron. La question est la suivante. Lors de la séance d'information du 19 octobre, nous avons entendu dire que les enfants habitant la coopérative d'habitation seraient privilégiés pour avoir une place à l'école primaire. Pourriez-vous le confirmer? Alors, Mme Lorrain ou M. Lapierre? Ben, j'ai aucune information à cet effet-là concernant les priorités d'accès à l'école. L'objectif, c'est une école pour le quartier, pour tous les élèves. Mme Lorrain? Il n'y a pas de priorité qui est accordée. Comme on le disait plus tôt, ce n'est pas une affirmation qui a été faite par le Centre de services scolaires le 19 octobre dernier, mais malgré tout, et conformément à ce qu'on a mentionné tantôt, on vous fera parvenir la politique d'admission pour le confirmer. Ça va? Autre question? La prochaine question vient de Mme Catherine Ordi. Mme Ordi sera en ligne avec nous dans une petite minute. Mme Ordi, la parole est à vous. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir à tous. Ma question concerne le parc. Vous avez parlé tout à l'heure de l'atténuation des nuisances pour ce qui est des lumières. Par contre, je m'inquiète un peu du bruit, notamment pour l'été, parce que vous avez évoqué la possibilité d'utiliser des surfaces fixes pour peut-être, si j'ai bien compris, faire du patin à roues alignées ou du skateboard. Et je me dis que ça va quand même être très bruyant pour les gens qui habitent autour du parc, comme moi, qui ai les fenêtres qui donnent dessus. Monsieur Bourque? Bien, dans le fond, je donnais des activités de jeux libres. Cet espace-là va être mis à la disposition, à la discrétion des citoyens. C'est sûr qu'à partir du moment qu'une nuisance, l'arrondissement a toujours la discrétion d'intervenir. Là, si on parle par exemple, que ça devienne un parc de skateboard alors que ce n'est pas l'objectif initial du parc, qu'on a une nuisance indue, c'est sûr que l'arrondissement a la discrétion d'intervenir sur les activités autorisées. Mais c'est le genre d'espace qui est commun dans un parc. On va faire le monitoring des nuisances et il pourra avoir des interventions au besoin. Mais on ne visera pas nécessairement une pratique en tant que telle. C'était plus des exemples que je donnais. OK. Est-ce qu'on répond à votre question, Mme Ordi? À peu près. Oui. Est-ce que vous avez une autre question? Non, tout tourne autour des activités prévues dans le parc, en espérant qu'elles soient... Parce qu'on s'entend que des activités comme des jeux de ballon, c'est pas la même chose que du skateboard. Mais on comprend, je veux juste mentionner qu'on comprend tout à fait vos inquiétudes. C'est sûr qu'il y a toujours une cohabitation qui est nécessaire entre le parc et les habitations. Il y a des risques quand on fait un aménagement de ce type-là, mais je tiens à vous rassurer, là, s'il y a une nuisance indue due à une pratique, peut-être l'arrondissement voudra compléter là-dessus, il y aura des interventions là, prises. Mais au bout de la ligne, s'il y a une bonne réappropriation du parc, on est confiant qu'il devra avoir une bonne cohabitation. Ou si les heures de pratique là, peuvent être gérées par l'arrondissement, s'il y a des nuisances, il peut y avoir des interventions aussi. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Ordi. Prochaine question. La prochaine question est Kaivan Charoni. Je demande à monsieur d'ouvrir son micro. La parole est à vous. Bonsoir, monsieur. Allô? Votre question, monsieur Charoni? Oui, alors, ma question, c'est pour revenir un peu sur une des questions qui avait été posée plutôt dans la soirée par rapport à la potentielle problématique des automobiles sur la rue Bassin qu'on avait mentionné dans la question qui est déjà assez étroite.
Je comprends que c'est une école, comme on a dit plusieurs fois, une école pour marcheurs et donc qu'on envoie le transport actif, mais toujours est-il que dans l'éventualité, c'est inévitable qu'on aura quand même plusieurs fois des parents, surtout quand l'école, on comprend, finira souvent aux mêmes heures, à 15h30, 16h, je ne sais pas. On aura beaucoup de parents qui vont quand même venir en retour, peut-être l'hiver quand il fera très froid ou des circonstances comme ça. Est-ce que dans cette éventualité-là, on a prévu quelque chose pour remédier à ça, c'est-à-dire les potentielles interruptions de trafic qu'il puisse y avoir avec les divers véhicules qui vont se stationner pour ramasser les enfants? Du côté de l'arrondissement, peut-être? Madame. Je voudrais répondre à une manière sur les décisions de mobilité et la situation des déplacements de l'arrondissement du Sud-Ouest. Donc, c'est un peu la même chose pour tous les écoles. Il y a des débarcadères qui sont généralement planifiés pour les enfants sortis des enfants. Évidemment, il y a aussi des discussions qui sont faites avec l'école à savoir les heures de classe. Hein, souvent, le premier cycle n'a pas les mêmes heures que le deuxième cycle. Donc, il y a des arrangements qui sont faits comme ça avec les écoles, généralement, pour permettre l'accès des heures des parents. Et il y a toute la relation aussi qui est associée au service de garde. Donc, les heures d'arrivée et les heures de départ sont quand même relativement étalées dans le temps et généralement, ça se passe relativement bien autour des écoles. Il y a aussi les taux de circulation qui va déterminer la génération. On fait toujours une génération de déplacement quand il y a la construction de nouveaux bâtiments comme ceux-là. Donc, la génération va aussi nous permettre de déterminer le nombre d'espaces et d'escalades et qui pour bien desservir toute la population qui va accéder à cette école-là. Est-ce que ça répond à votre question? Ah oui, c'est une très bonne réponse. Merci beaucoup. Donc, j'ai le droit à une deuxième question, c'est ça? Oui, vous avez le droit à une autre question. Allez-y. Peut-être moins important par rapport à pour moi, mais c'est plus pour le parc du bassin à bois. Il y avait une autre question que je trouvais vraiment intéressante par rapport au peut-être le potentiel d'installer un peu comme on a Robert Bourassa et William, des petites barres de traction, d'exercice physique. Est-ce que ce serait, est-ce que c'est bouclé ou ce serait peut-être une éventualité d'envisager ce type d'installation ou est-ce que c'est vraiment clos? Je vous avoue que ce n'est pas prévu actuellement. Par contre, je pourrais prendre votre idée en considération et les soumettre au concepteur et à notre comité pour qu'on puisse regarder cette possibilité. Ça pourrait être intéressant, oui. Puis peut-être en complément, comme je le disais tantôt, on le prend pour le parc du bassin en bois, mais aussi d'autres parcs en réalisation dans Griffintown. Donc, tous les besoins qui sont identifiés au fur et à mesure de nos travaux depuis des années, on en prend note. Puis l'objectif, c'est que la programmation des parcs pourra se compléter. Mais on en prend bonne note de la demande d'exerciceurs. Oui, Monsieur Bourque, est-ce que vous pourriez parler identifier plutôt les emplacements ou les lieux où il y a d'autres parcs qui sont en planification? Excellent. Donc, bien rapidement... Peut-être rapidement, indiquer ceux qui existent déjà, puis ceux qui sont à développer et où ils sont situés. Parfait. Donc, le parc, le premier qui est existant, c'est le parc du bassin gravier, justement, qui borde la future école. Donc, celui-là est réalisé. Le deuxième parc qu'on va réaliser, c'est le parc du bassin à bois, qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui. Par la suite, on a trois autres grands parcs qui ont fait, dont deux qui ont fait l'objet du processus d'idéation avec les citoyens. Donc, le parc des eaux cachées, à l'angle des rues Saint-Thomas et Ottawa. Et le parc, ensuite le parc William Dard, au coin d'Ottawa et Peel, qui doit accueillir notamment le projet du MR 63, une place culturelle. Et finalement, le parc Mary Griffin, qui va être situé devant la future gare du REM. Qui est situé, celui-là, au coin de Ottawa et Anne. Mais il ne prend pas devant la New City Gas. Outre ces grands parcs qui vont être réalisés, qui vont pouvoir répondre aux différents besoins de programmation de Griffintown, on a également le Square Gallery qui va être réalisé à l'angle des rues Murray et Wellington, qui va comprendre le bâtiment de la Vespasienne. On voit sur la carte ici, le Square Gallery, c'est celui qui est le plus en bas à droite, donc qui va comprendre la Vespasienne, comme le disait ma collègue, avec une occupation communautaire ou culturelle. Donc, l'ensemble de ces parcs-là,
conçu plusieurs acteurs qui vont être dédiés à la programmation. Donc, on prend acte des demandes aujourd'hui. Et on va voir comment on va pouvoir ajouter la programmation des parcs pour répondre à ces besoins-là. Monsieur Bourque, comme c'est une question qui préoccupe beaucoup les personnes qui nous questionnent ou qui nous écoutent ce soir, est-ce que c'est possible que vous déposiez quelques documents là-dessus? Bien, certainement. On a d'ailleurs les... Il y en a peut-être quelques-uns, là, je n'ai pas vérifié. Tout à fait. Mais entre autres celui-là. Oui, on pourra remettre le lien vers le PPU Griffintown, finalement, qui comprend l'ensemble de la programmation des interventions du domaine public. Et les documents qui ont fait suite aux exercices d'idéation sur les parcs Haut-Cachet, William Dahl et Mark Griffin, pardon. On pourra vous déposer tous les documents qui sont publics et pertinents sur les parcs, la programmation des parcs dans le Merci Griffin beaucoup, Dahl. C'est apprécié. Alors, merci, monsieur. Est-ce qu'on a une autre question? Nous avons une dernière question de Mme Ornella Sara Wally. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Votre question? Oui. Vos deux questions? Ça a été un peu abordé, mais j'aimerais ça le revoir. J'ai pas l'impression que c'était peut-être très clair. C'est concernant la vue bassin très étroite et puis la circulation. Il y a une dame qui avait répondu, mais son micro était vraiment très fort, donc on a perdu un peu cette réponse-là. Je me demandais d'abord si l'autobus scolaire, il y a un endroit pour se stationner prévu spécifiquement à cet effet-là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous écoute, madame. Ah, OK, très bien. Puis on se prépare à vous répondre. Donc, l'autobus scolaire, il y a un endroit particulier pour se stationner. Visuellement, en fait, concrètement, cette rue-là, elle est à sens unique. Donc, c'est facile d'imaginer un autobus qui s'arrête, une voiture peut-être qui transporte un enfant qui va s'arrêter également, et des voitures également qui doivent circuler sur cette rue-là. Donc, je comprends pas comment est-ce que la circulation va être fluide avec tous ces intervenants-là sur une petite rue étroite. Alors, on a une réponse du côté de l'arrondissement. En fait, Est-ce que je peux vous demander de modérer votre débit? Il y a une réverbération. Alors, si vous parlez plus lentement, je pense qu'on va mieux comprendre. Désolée. En fait, comme pour toutes les écoles, quand les autobus arrivent pour rejoindre les enfants, les autobus déploient leur panneau d'arrêt. Donc, il n'y a jamais de véhicule qui peut dépasser un autobus scolaire quand elle embarque. On a du mal à vous entendre. Ça coupe. Oui, excusez-moi, je ne suis pas certaine si on entendait bien. Donc, on va répondre à la question un petit peu après que tout ça soit installé et voir comment la situation se présente. C'est ça que je comprends. Oui, absolument. La réglementation d'enseignement autour de l'école va s'adapter en fonction des besoins que l'école aura à ce moment-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a l'espace pour répondre déjà aux besoins de base de l'école. Très bien, je vous remercie. Oui. Donc, c'est tout pour moi, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont... Oui. Peut-être un petit rectificatif. Là. La rue des bassins va maintenir deux sens. Donc, ça va beaucoup faciliter la circulation dans l'école. Puis peut-être parce qu'on entend ma collègue un peu moins clairement, mais je veux le mentionner, la signalisation, les débarcadères, puis les besoins pour personnes à mobilité réduite vont être répondus à l'ouverture de l'école. Donc la signalisation va être installée et adaptée
pour l'ouverture de l'école. Je veux rassurer les futurs parents de Griffintown ou les parents de Griffintown. Parfait. Alors, j'espère, Mme Valli, que vous nous entendez. C'était un complément de réponse à votre question. Alors, il semble qu'il n'y a plus personne qui ait déposé des messages ou qui soit en attente en ligne. Alors, on a donc plus de questions. On a peut-être une ou deux questions venant de la part de la commission. Alors, Mme Moussa. Merci. Je pourrais peut-être débuter avec la dernière question qui nous a été présentée ici par Mme Wally. Si on revient à l'intervention de l'arrondissement, je comprends que la signalisation sera installée une fois l'école terminée. Est-ce que vous pouvez nous indiquer s'il sera possible pour la commission de recevoir les données sur lesquelles les partenaires se sont basés pour évaluer justement les besoins, les risques associés à la circulation et bien entendu les choix de signalisation qui seront faits lors de l'ouverture? Bien, sans me méprendre, à ce stade-ci, on n'est pas, à ma connaissance, on n'est pas rendu à cette évaluation-là. Je ne sais pas si le centre de service a ce genre de données-là. Mais nous, dans le fond, l'arrondissement et la ville de Montréal, on va répondre aux besoins de l'école. L'objectif, c'est d'accommoder l'équipement puis que ça fonctionne. Puis on sait très bien que les parents ne vont, tu sais, on veut en faire une école de marcheurs. J'ai moi-même 3 enfants à l'école primaire. Ça m'arrive d'utiliser ma voiture. Donc, voilà. Madame Lambert, je pense que vous voudriez compléter là-dessus. Madame Lambert? Oui, en fait, dans les études de circulation qui devraient être posées par la CSSDM, ces besoins-là devraient être évoqués. Donc, dans l'étude de circulation, on a l'étude de la circulation actuelle, mais il y a aussi la présentation des besoins. Donc, c'est vraiment la CSSDM qui va pouvoir nous faire l'état des besoins associés à cette école-là. Exact. Puis on confirme que la demande pour l'étude en tant que telle devrait être soumise pour le processus d'analyse du PIA, qu'on parlait tantôt pour l'intégration architecturale de l'école. Donc, du même coup, les aménagements à prévoir qui seront dictés par cette étude-là vont être déposés en même temps dans le cadre du processus de permis. Madame Lorrain? Pouvez-vous ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ajouter que la réflexion qui est en cours au CSSDM concernant une école en milieu urbain dense et nous amène à ne pas nécessairement chercher à reproduire des patterns, si on veut, d'utilisation ou de déplacement qu'on peut connaître dans des milieux plus étalé en termes urbains. Donc, peut-être qu'on peut remettre la carte. Les élèves, tous les élèves de Griffintown, tout Griffintown est à moins d'un kilomètre. On a choisi, le CSSDM a choisi ce site-là parce qu'il se situe au cœur de la population à desservir. Et ce qui est recherché du côté du CSSDM, ce sont vraiment d'encourager les saines habitudes de vie et de réduire au minimum l'accessibilité ou l'utilisation de l'automobile pour le déplacement. Souvent, dans les écoles primaires, il y a des fratries, donc il y a des élèves plus vieux qui peuvent aller à l'école avec les plus jeunes qui ont besoin. Il y a des brigadiers scolaires qui sont embauchés par le CSSDM pour les traverses plus difficiles. Donc, l'objectif qui est recherché, c'est vraiment, et il y aura d'autres écoles qui vont être développées, notamment au centre-ville, par le CSSDM sous peu, et vous pouvez imaginer que c'est des situations qui ne sont pas celles qu'on connaît dans les quartiers plus périphériques ou des habitudes peut-être de déplacement vers les écoles et plus motorisées, si on veut. Mais ça, c'est la perspective qui est envisagée par le centre de service scolaire à l'égard de l'école de Griffintown. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions de la part des citoyens ou de la commission, ça m'amène à mettre fin à cette séance de questions-réponses. Je remercie très chaleureusement les représentants de l'arrondissement du Sud-Ouest, du service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal,
du Centre de services scolaires de Montréal et de bâtir son quartier. Tous les renseignements qui vous ont été communiqués ce soir sont déjà disponibles sur notre site Internet ou le seront très prochainement. Veuillez noter aussi qu'à partir de maintenant et jusqu'au 14 décembre, vous pourrez nous faire part de vos idées, de vos préoccupations et de vos commentaires dans une opinion soumise à la Commission. Pour cela, plusieurs méthodes vous sont offertes pour donner votre opinion, en ligne, par la poste ou par message téléphonique. Les explications à cette fin apparaissent à l'écran et sont disponibles sur notre site Internet. Des séances seront organisées pour présenter votre opinion oralement à partir du 7 décembre. Vous aurez le choix d'une présentation par vidéoconférence ou par téléphone en prenant rendez-vous auprès de M. Gilles Vézina avant le 3 décembre au numéro qui apparaît à l'écran, c'est-à-dire 514-872-8510. Nous espérons que cette soirée vous aura permis d'en connaître plus sur les projets soumis à la consultation et que vous y participerez en grand nombre. Au nom de la Commission et des représentants de la Ville et des promoteurs qui sont avec nous ce soir, je vous remercie de votre participation. À la fin de l'émission, vous verrez à l'écran les noms des membres de l'équipe technique qui nous ont appuyés tout au long de cette soirée. Je tiens à les remercier vivement. We hope this evening has given you the information you needed in order to submit your opinion to the Commission in the coming weeks. On behalf of the members of the Commission and the representatives who joined us tonight, I thank you for your participation. Bonne soirée. Have a nice evening. Merci.